Et salut à tous et à toutes, c'est Soulink HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Taurus PT92 Spring de chez Cybergun. Pour commencer, la réplique est vendue avec son chargeur d'origine et des billes biodégradables de 20 grammes. La boîte est assez mal faite, je trouve. Enfin, ils sont pas foulés quoi. Donc, c'est la marque Cybergun. J'ai eu pour 36 euros. Chez Jouet Club. Donc Jouet Club, oui, maintenant vendent des répliques d'airsoft de la marque Cybergun. Alors je sais pas si c'est comme ça dans toutes les régions, mais chez nous il y en a une. Voilà. Donc la réplique est vendue avec son chargeur d'origine. Elle est pas très lourde, hein, ça va. Elle est bien maniable. Et elle est assez précise, je trouve. Enfin, les billes ne vont pas direct à l'alignement, mais elles tirent tout le temps au même endroit. Après, donc il n'y a pas plusieurs sécurités. Alors, je me suis fait avoir au début. Donc là, vous pouvez voir une sécurité avec un point rouge. Non, ça ne fonctionne pas. Là aussi. Et là, je ne sais pas si c'est une sécurité ou un mode semi-automatique. Ça ne marche pas. En fait, il faut tourner la réplique. Et nous avons la sécurité ici. Là, je l'ai enlevé. Là, je l'ai remise. Toujours mettre la sécurité quand on n'utilise pas une réplique. Après, la matière, donc tout le corps là, c'est du plastique. Hein. Tout est en plastique. Sauf la culasse et le canon. Voilà. En même temps, le canon, c'est un petit peu obligé que ça soit du métal. La réplique dégage une puissance de 0,6 joules, ce que je trouve suffisant pour sortir son PA à moins de 5 mètres. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le chargeur contient 12 billes. La vitesse, c'est 328 fps. 256 avec des billes 0,12 grammes. Après, la portée maximum est de 30 mètres. Bon, ça, je suis pas sûr, hein, je vais pas mesurer la portée. Donc voilà. Alors c'était la review du PT92 Spring de chez Cybergun. On passe tout de suite au test de tir. Donc là on se retrouve pour le test de tir du Taurus PT92. Je vais essayer de tirer dans les ballons du but de foot. Ah, parce qu'il a été enclenché. Donc voilà, donc j'ai tiré 3 billes, donc ça coûte assez cher, j'ai pas en tiré beaucoup. Donc voilà, là, c'était le test de tir. Donc niveau précision, moi je la note vraiment 15 sur 20. Voilà, salut.